J'étais. C'est très drôle parce que ça, c'est quand on est adolescent, on dit on veut changer le monde avec cinéma, on veut changer, on peut changer le monde, on a des idées idéales, on pense, on est idéaliste. Et ça peut être un peu ridicule aussi parce qu'on pense, oui, avec le cinéma, on peut battre les dictatures, on peut faire des grands changements dans la société. C'est possible. J'ai vu ça dans ma vie en Iran, que comment un film peut avoir les influences immenses sur un peuple dans un pays 3 fois plus grand que la France, 90 millions de personnes, comment un film peut changer des choses dans la société. J'ai vu ça. Peut-être c'est pour ça que j'étais si excitée quand j'étais adolescent pour changer le monde avec le cinéma. Aujourd'hui, je sais que, bon, on peut pas avoir les grands, gros changements, mais on peut changer les choses. On peut avoir les influences. Même là, pour moi, c'est juste que ouvrir une fenêtre de plus dans la vie des gens, qu'on peut regarder un autre vue dans la vie. Ça, c'est une mission, c'est très beau, parce que peut-être les gens, ils ont une maison très jolie, mais il y a une fenêtre fermée. Si on arrive à ouvrir cette fenêtre avec un film, on a fait notre mission et ça va. Ça peut être une sensation, ça peut être un moment de joie, un moment de tristesse, un moment d'émotion. Ça suffit.